Et voilà, on y est. Préparez-vous les gars, on va se faire du fric. Mais surtout, pas de bruit. Pas de bruit. On est vraiment obligé d'avoir des tenues comme ça. Faut pas être reconnu, abruti. Tu fais souvent des cambriolages de visage découvert, toi, hein? Bah non, avec le classico cagoule noire, vêtements noirs. Parce que là, honnêtement, on a l'air ridicule. Je suis ridicule. Et lui aussi, d'ailleurs. Hey! Ouais, c'est pas faux. Et puis, en vrai, c'est débile. Parce que nous, justement, on est à visage découvert. Mais non, en fait, d'accord? Parce que là, si on nous chope, hein, avec des cagoules noires, on nous prendra forcément pour des cambrioleurs. Alors que si maintenant, à l'instant, il y a quelqu'un qui nous trouve, on nous prendra pour le Père Noël et ses lutins. Et on nous laissera tranquille. Et donc, comme je le disais avant d'être grossièrement interrompu, la grosse souris ayant racheté le petit renard, tout ce beau monde fut alors transporté par magie dans un autre univers où les richesses sont infinies et les bonnes critiques au rendez-vous. Et c'est ainsi que j'ai été un peu au chômage pendant quelques temps. Mais finalement, Ryan réussit à convaincre Hugh de revenir dans son rôle du gentil petit serval et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de billets au box-office. Fin. Pas tout compris, c'était bizarre comme histoire. Monsieur Wolverine veut revenir alors ? Oui, mon enfant. Et crois-moi, les fans vont adorer 3 fois 1000. Mais dans Logan, Wolverine n'était pas... C'est Noël. Pas de sujet qui fâche ici, même pour toi, mini-moi. Et puis t'as même pas l'âge d'avoir vu ce film, donc chut. Mais la vraie question est... Qu'est-ce qu'ils font là, le Papa Noël et les lutins sortant tout droit d'une Japan Expo ? Toi, cette fois on va... Zut, et ça c'est le bip de ma Deadpool mobile. Attendez. Voilà le bon. Tu peux refaire ta réplique, s'il te plaît? Je disais... Toi, c'est toi, on va te... C'est toi qui as fait ça? On peut vraiment plus rien dire, hein? Non, pas de vulgarité ici, c'est tout public, espèce de gros... Monsieur Poul, c'est des méchants, eux? Oui, mon petit, je les ai déjà croisés. Un des lutins s'est pris une balle en 3D et le Père Noël, lui, a explosé. Les effets spéciaux étaient top. Par contre, lui, je le connais pas. Il a dû être coupé du dernier projet par manque de budget. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais leur faire ce que Maria Carré fait à nos oreilles chaque Noël. C'est le moment de la chorégraphie super préparée où je vais montrer tout mon savoir-faire au katana avec tout un tas d'enchaînements dingues filmés au ralenti et... Oh, par mes boules de Noël! Ça va pas se passer comme ça! Un classique! Oh non! Pas encore! Eh ben, ça vous apprendra à voler les cadeaux pendant la belle nuit de Noël. C'est tellement tordu que ça aurait pu être mon idée. Vous savez quoi, les enfants? Le Papa Noël, il existe même. Super pouvoir du Peggy 3. Bon, tout est bien qui finit bien. La police va venir arrêter ces voyous et moi je vais partir avant leur arrivée. Car je suis pas du tout rentré dans cette maison par effraction, non, pas du tout.
Tout ça pour m'emparer de leurs cadeaux et les remplacer par le charbon que ce de terre de Père Noël m'amène chaque année. Le sale de sur ce, joyeux Noël. J'en demande beaucoup pour Noël. Il n'y a qu'une seule chose que je veux. Je veux tous les jolis cadeaux qu'il y a au pied du sapin. Je n'ai pas besoin de pendre mon slip à la cheminée. Père Noël me rendra heureux, pas seulement avec des jouets. Je le veux rien que pour moi, plus qu'on peut l'imaginer. Réalise mon vœu. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Toi, Père Noël. Allez, à vous. C'est toi qui as donné des pouvoirs aux enfants. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Monsieur Wilson. C'est ça, ouais. Dis, et pour moi, tu peux me donner le pouvoir de chanter comme Mariah Carey? Eh oh! C'est à toi que je parle, Docteur Strange de Wish! Je suis le sorcier suprême, vous me devez le respect. Vous n'êtes pas sage à ce que je vois, vous méritez plutôt ça. Mais what the fuck? Non! Non! Non!